Et coucou toi. Ouais, j'ai arrêté le truc brutalement, mais c'est pas grave. Salut, salut. Allez hop. Va passer sur Horizon. On avait libéré l'autre la dernière fois. Bonjour Gaïa. Bonjour Gaïa. Je vois ça. Qu'as-tu à l'esprit? On avait libéré Poséidon. Notre progression. Bêta. Bon alors, je pense que Beta va rester. Je lui ai donné un focus. Ça veut rien Je dire lui ai ça. dit de te parler pour voir si elle peut aider. Elle est loin de ce que je croyais. Et qu'est-ce que tu croyais? Je sais pas. J'avais imaginé quelqu'un de plus utile. Oh, comment elle parle mal. Et moins pessimiste. Il est vrai qu'elle a un peu surestimé nos avancées. Cependant, il vaut la peine de souligner que sa confiance en tes capacités lui a donné le courage d'échapper au zénith. J'imagine. Sois patiente. Elle pourrait encore changer. Ok, on va patienter Il y du a coup. maintenant un bon petit groupe ici qui apprend sur toi et l'ancien monde. C'est à peu près ce qui était prévu avant la purge d'Apollon. Oui. Bien que la perte de la base de données Apollon soit catastrophique, les données que tu as récupérées contiennent de nombreuses informations. Par exemple, Varl est en train d'étudier les derniers enregistrements de ceux qui ont péri pendant le fléau Pharo. Leurs derniers espoirs et leurs craintes l'ont beaucoup attristé. Tu crois que je dois m'inquiéter? Non, je ne crois pas. J'ai choisi de ne pas intervenir pour lui laisser le temps de faire face à sa façon. Gentil ça. Ok. Je dois y aller. Je dois y aller, Gaïa. Je te souhaite. Salut. Allez, salut. On va avancer dans l'histoire un peu. On est niveau 30. Alors comme ça, les anciens se peignaient le visage avec ce qu'ils appelaient du maquillage. Du maquillage. Ouais, je peux pas encore y accéder. Hein. Oups. Cet enregistrement grâce aux données de ton focus. Elle l'a beaucoup regardé. Je crois que ça l'aide à se calmer. Tu sais, je le regardais beaucoup moi aussi. Quand je cherchais à me libérer l'esprit. Le grand garçon que son papa aime. Mais tu voulais me dire quelque chose? Pendant ton absence, je suis venu voir si tout allait bien. Et on a parlé un petit peu. Un bêta. Elle réfléchit à la manière de capturer Héphaïstos en étudiant les données fournies par Gaïa. Mais on a commencé à aborder d'autres sujets. C'est juste pour se connaître un peu mieux, quoi. C'est là qu'elle m'a dit que l'une des zéniths était peut-être différente des autres. Tilda, tu l'as vu au laboratoire d'Hadès. On t'écoute. Lors de notre voyage, les zéniths ne me montraient jamais leur visage. Le serviteur qui s'occupait de moi les appelait mes bienfaiteurs. Et il a promis que je les rencontrerai un jour. Quand j'aurai assez appris. Et ensuite, un jour, un canal de données s'est ouvert dans mon interface de formation. Dedans, Tilda m'attendait patiemment. Dans la réplique virtuelle d'une maison sur une falaise qui surplombait l'océan. Magnifique. Elle m'a montré des peintures, des livres, des fichiers. On se retrouvait en secret, très souvent. Mais au bout de quelques mois, elle n'est plus venue. Tu peux nous dire pourquoi, Beta?
J'ai trouvé des données sur Tilda dans le laboratoire d'Hadès. Je crois qu'elle faisait la liaison entre Zénith Lointain et Aube Zéro. Elle connaissait Elisabeth Sobeck, en tout cas. Elisabeth Sobeck. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu te parler. Elle t'a déconnecté? Donc Tilda a créé un espace secret où elle pouvait te parler. Une maison sur une falaise. Et ensuite, elle n'est plus venue. Mais en dehors du fait que Tilda connaissait Elisabeth, tu ne sais pas ce qui la motivait? J'en sais rien, d'accord? J'ai pensé à toutes les raisons possibles de son départ, mais quoi que j'ai pu faire de mal, je sais pas ce que c'est. Quand j'ai enfin rencontré les autres, elle m'a ignorée. Comme si notre canal n'avait pas existé. Ça n'a aucune importance. Tilda n'est pas mieux que les autres, ça nous aidera pas à les vaincre. D'accord. D'accord, on en reste là. Elle a l'air un peu amochée quand même, hein. En même temps, il l'enferme en bas, comme si tu l'enfermais à la cave, tu sais. Oh, pas mal ça. Y a un problème ? J'essaie, parle. Mais j'ai du mal avec elle. Je parcours les terres sauvages. Je risque ma vie tous les jours, et elle ne fait que se terrer là-dedans en répétant qu'il n'y a aucun espoir. Je comprends que ça n'a pas été simple, mais là, elle fait vraiment rien pour aider. Comme t'as toujours l'air de maîtriser la situation, parfois j'en oublie tout ce que tu as traversé. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, t'étais si mal en point que tu ne pouvais plus marcher. C'est pas faux. Quand je t'ai trouvé dans l'eau près du laboratoire d'Hadès, tu murmurais le nom de Rost. Tu ne parles jamais de lui. Mais il t'a élevé. Et entraîné. Il doit beaucoup te manquer. Évidemment. Mais j'ai pas du tout le temps d'y réfléchir maintenant. Il faut vraiment que je sorte. D'accord. Je vais continuer de parler à Beta. Gaïa pense qu'elle en sait beaucoup sur Aube Zéro. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour faire le point et qu'elle pourra nous aider pour Héphaïstos. Oui. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop non plus, ouais. Rejoindre les coordonnées de Déméter. C'est moi ou les anciens avaient un accoutrement bizarre? Bizarre. Et dit bizarre comme c'est bizarre. Bon bah on va y aller hein. Est-ce qu'il n'y a pas un TP plus proche? Si hein. Il y a un petit grand coup. Un petit grand coup sur la route. On va aller là-bas. D'après Zo, c'est ici que se trouvent les pintes à cornes, qui permettront de soigner les dieux de la terre de Mélopée. Je dois lui faire savoir que je suis là. Les pintes à cornes. Non, moi je vais avancer sur ma quête. Je ferai ça plus tard. C'est gentil. Par là. Par là. Ok, monture et let's go. Oh, c'était stylé ça. Faudra qu'on chasse de l'animal aussi. Type de ravageur. Une tueuse de chasseurs. Encore plus mortelle qu'une machine.
Ravageur suprême. Oh non, la batterie de la manette. Ah, il y a mon monture qui se fait la malle. Pas trop c'est quoi son point faible à lui. Bien esquivé. Il a tué ma monture. Un canon que je peux utiliser quand mon truc là. Je peux utiliser ça non? Bah ouais, le canon de ravageur. C'est bien ce qui me semblait. Non mais... Ma pauvre petite boulette. Oh, elle est morte. Elle est vraiment morte. Ils ont tué boulette. Bon ben ils ont tué boulette. Hein. C'est quoi maintenant? Je fais comment? Il y a un site là-bas. Il sort. Ah fuck. Ils m'ont bien mis dans le mal, hein. Ça c'était une chouette. Je crois que c'était une chouette, ouais. Alors un petit camp.
Salut Soro. Bonjour à toi. On va ralentir ma chute. Qu'est-ce que c'est comme connerie ça? Un gyrotorse. Les cornes. Ça a pas l'air d'avoir grand chose dedans. Qu'est-ce qu'on peut taper dessus? Support de cargaison, son ventre. Voilà, ça c'est fait. On m'a repéré. On m'a repéré, sans déconner. Un bloc de refroidissement. Il y en a qui bossent ici. D'ailleurs, faut bien. D'ailleurs, faut bien qu'ils bossent. Yes. Hop, un petit mouton. Ah ouais, tout est en feu là. J'ai cru voir un gros minet là-bas. Petite réserve de poison. Une. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, ils vont me faire chier maintenant. Une queue martelante. Oh, tu me saoules toi. Oh, qu'est-ce qu'elle fait elle? Voilà. Petit conteneur de ressources. Ah mais c'est les rebelles qui me tiraient dessus. Non? Eh ouais. Je sais qui m'aide à tuer les trucs. Mais non, mais elle me visait moi en fait. Sauf qu'elle s'est pas visée. Qu'elle s'est pas visée.
T'arrêtes pas de tuer des machines en jeu. Passe ta vie à tuer des machines. Salut Bobby. Je passe à l'heure pour votre stream, j'ai pas le son, ça marche. Ça l'a déjà récupéré. Ouais, quand le rebelle est tout proche quoi. On va faire le camp de rebelle vite fait. Rebelle Athéna a compris le contrôle de ses ruines. Qu'est-ce qu'ils font ici? Bon, on va juste passer. Ah, je sais pas si j'aurais pu monter une corne de sabre, tiens. Où est-ce que je vois ça? Dans mon petit carnet? Carnet. Catalogue de machines. Non, c'est pas là. Ça, c'est montable. Machine montable, ok. Corne de sabre, corne filante. Piratage verrouillé. Ah, c'est tout ce qu'on a, je crois. Ça, c'est pas montable. Piratage MU partiellement débloqué. Qu'est-ce qui peut être montable encore? Une grande bouche. Est-ce que ça peut être montable, ça? Corne de sabre. Ça peut pas être monté. Bon, les cornes de sabre et les cornes filantes, c'est pas montable, apparemment. À moins que j'ai pas le... Le piratage. Galogriffe. Alors tu vois, c'est verrouillé, mais ça me dit machine montable. Donc, prochaine étape, c'est le galogriffe. Testudien. Carapateur. Ravageur. Pentacorne. Ah, c'est ça les pentacornes, des espèces de triceratops. Mastodonte. J'aurais bien aimé la monter celle-là. Gueule d'orage. Putain, tu viens sur la gueule d'orage. Putain, t'es trop bien. Carapeste. Brise vague. Bon, après, c'est les gros trucs. Je pense pas que ça peut être monté. Spectre. Ça fait flipper l'orage. Je sais pas si vous avez entendu. Oh la vache. Juste au-dessus de moi. Putain, j'ai flippé ma race. Holy snap. Jusque dans mes os. Bon bah je pense qu'on va se faire le camp de rebelle là. Tiens, bim. Oh, allez, c'est parti. Hein. J'ai été trouver le camp là-bas. Je sais pas s'il est actif quand...
Voilà, headshot. C'est niveau 31. C'était sympa ça là. Une clé ancienne. Clé de bunker. Petite clé de bunker. Il doit y avoir encore du monde là-dedans. Pas encore. Là, vous la voyez ? Je prends les commandes. On a l'air d'être stylé cet archer là. Je pense que c'est le moment d'utiliser une petite potion. Bon, c'est mieux. Je crois qu'on a tout ramassé. Hein. Ça va durer dans le. Je suis dedans. Cet endroit ressemble à un site de fouilles. Si je veux avoir une idée de ce qui se passe ici, je dois trouver la personne qui commande. Console d'accès. Tireur d'élite. Ici aussi. Toi t'es morte. Too easy. Ah, presque l'attaque silencieuse. Ça utilise du poison maintenant. Très gentil ça. Puis comme ce roi, putain merde. Poison de ses morts. J'ai rien contre le poison en fait. J'ai même pas d'antidote. J'ai rien. En fait, j'aurais dû venir en mode fufu, il y aurait plus eu de challenge. Là, je vois qu'il y avait un truc. Oui, c'est encore là. Il y en a encore un. Je l'ai entendu. Où es-tu? Il est là-bas. Il reste plus qu'un seul, c'est tout. T'as déjà tué le boss?
Elle a dû te siffler l'oreille celle-là. Elle a dû te siffler l'oreille. Je suis encore en recherche. Pourquoi je suis encore en recherche? Bizarre. Est-ce que c'est ça qu'il voulait atteindre? C'est ça le bunker? La clé. Peut-être que la clé que j'ai trouvée va l'ouvrir. Voyons ce que les rebelles voulaient tant protéger. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Une fleur de métal déjà, non? Oh, il y a du monde. Il a quoi, lui? Il a une arme lourde. Des océrames? Qu'est-ce qu'ils font ici? La lance-flamme. Bon, bah on va te cramer. Voilà. C'était pas mal. Hey, salut Dan. Comment ça va? Alors, qu'est-ce que tu voulais cacher? Console de données. On peut pas y accéder. Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Un an de plus. Donc ça va. Pas trop fatigué. Ah, il y a un truc là. On dirait que les fils de Prométhée sont là aussi. Qu'est-ce que c'est? Appareil de messagerie. Examiner l'appareil. À tous les ingénieurs et agents des fils de Prométhée. J'ai entendu beaucoup de Jérémiades. On se plaint des ténacs, du travail, des conditions, d'un occasionnel démembrement par une machine quand quelqu'un manque de vigilance. Je comprends. Tout n'est pas simple. Tout n'est pas simple. On a beaucoup souffert. C'était hier, Dan. Merci. Encore. Mais on touche au but. Cette alliance portera ses fruits, je vous le promets. Les Karjas vont payer pour les raids rouges, avec leur sang. Ainsi que tous ceux qui ont collaboré avec eux dans l'avant-garde et la roquette. Alors fermez-la. Retournez travailler. Et n'oubliez pas, l'heure du jugement est très proche. On dirait que les fils de Prométhée veulent du sang. Veulent du sang. Celui des Karjas, apparemment. Et de l'avant-garde. Voyons ce qu'il y a d'autre là-dedans. Ah non, moi je suis pas Gémeaux, Dan. Presque. Essaye encore. La batterie. Ils ont mené des expériences avec des batteries de l'ancien monde. Il y en a tout un paquet par ici. Vas-y, on va les mettre dans la poche. Les petites batteries là. Qu'est-ce que nous avons là? Les schémas. Ça tombe, il fabriquait un truc de ouf. Hein. Ces papiers, ils sont couverts de schémas d'armes. Des versions différentes d'un même modèle.
Aucune n'est terminée. Donc les fils de Prométhée tentent de construire des armes basées sur des technologies anciennes. Ils ont dû aider Silence à créer celle qui a tué cette Zénith. Quoi que ça puisse être, ça utilise ses batteries. Mais on dirait qu'ils ont encore... un peu de travail, ouais. Un peu de travail. Si je fais sauter cette batterie, je peux créer une chaîne d'explosion qui emportera tout le bunker. Pas de bunker, pas de batterie, et pas de nouvelles armes. Alors, ça s'est allumé comme par magie. Comme par magie. Oh, un truc timé. Ah, j'aime pas trop beaucoup ça. Oh, fuck. C'est timé ou pas? Ah non, en fait, c'est le... ah, je peux même pas y retourner. Attends, je vais louper des trucs. Merde. Je passe juste faire un petit coucou, je repars en embûche dans mon lit. Bon live. Bon live, Dan. Bon live. Bon repos. Repose-toi bien. Merci d'être passé faire un petit coucou. Il y a un mec là-bas. On va le prendre en mode fufu. On va se le faire en mode fufu. S'il se retourne pas. Qu'est-ce qu'il fout là, le sérum là? Il y en a encore un là-bas. Il se demande où ça a tiré. Je le savais. Là, vous la voyez? J'ai une luciole avec. Exécution par tir dans la tête. À cause du froid, mes poumons me picotent. Les poumons te picotent. Il doit y avoir d'autres trucs à choper là, non? Ou alors elle est passée en mode terminé. Ouais, elle est passée en mode terminé. Ça va, j'en ai 345. Ça devrait le faire. Ça m'aura bien servi. Donc les rebelles déterrent de la ferraille de l'ancien monde. Petite flèche dans le fion, tiens. Je sais pas si je peux la passer, cette rivière là. Je pense que oui. Machine inconnue, une grilleuse.
Une grilleuse, tiens. C'est des copains, ça, ou quoi? Bah dis donc, ça fait mal. Salut Kuro. C'est ici qu'on farm sur PokéClicker. Non, je jouerai pas à ça. Comment ça va Kuro? Ça fait plaisir de te voir. Dans le chat. Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Comme quelqu'un qui a un an de plus. J'ai même pas pris une cuite hier. Par contre, je suis Ken. Y'a moyen. Putain, c'est chiant ça. Ça sort de super loin. Ça sort de super loin. Heureusement qu'on a joué à Dark Souls hier. Un petit peu dans le bain les esquives. Elle m'a bien baisé. Bon anniversaire, Tara. C'est pas grave, Kuro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Des oreilles scanographes. Oh merde, on pouvait faire un petit peu joujou. Qu'est-ce que c'est des bombes? C'est une bombe. Fais quoi toi? Ça c'est fait. Bon, on a fait deux grilleuses. Je saurai pour la prochaine fois qu'il y a un lance-flamme dessus. J'avoue que j'y suis peut-être allé un petit peu vite. Qu'est-ce que tu racontes de beau Kuro? Tu joues toujours toujours à la Stark? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une fleur. Une petite fleur. Oh, il y avait un petit truc là. Dommage. Oh, c'est beau. Je suis retourné sur PoE. Je me connais uniquement pour les relations en ce moment. Je suis retourné sur PoE. Ah ouais. Tu as plus de plaisir à jouer à PoE? Oh, il y a un site de frappe défense de grilleuse. Oh, on va pas se faire le mammouth quand même. Hein. Je crois qu'on n'a pas le niveau pour le mammouth. À moins qu'il y ait un petit crasher à côté. La dernière fois, on a eu un peu de chance.
Un pigeon. Un hibou. Et un site de frappe défense. Ouais, j'ai trop envie d'y aller. Et je joue au jeu du diable qui est Poké Clicker. C'est vrai? Tu t'y es mis? Et comment? C'est bien? Salut toi! Hey, salut toi! Ouais, stream le matin, ça fait longtemps. Hein. Il servira d'ingrédient secret. La stream le matin, ça fait longtemps. Moi, j'avais rien à faire. Lost Ark, c'était en mise à jour. Donc je me suis dit, tiens, on va avancer un petit peu dans Horizon. J'hésite à aller choper le gros mammouth là-bas. Poche de flambée, il y a plein de trucs à... mettre des pièges. J'espère qu'il va pas se casser la gueule sous la glace. On va essayer d'en fabriquer d'autres. Maximum de pièges, ok. Bim. On va essayer de péter ses cornes. Je pense qu'il est en mode vénère là. Oh, je vais péter une corne. Composant extrait. Essayez de péter les autres. Elle vient dans les pièges. Non, c'est pas drôle. C'est ça qui me fait... Je tire dans ses yeux. Corps, Hamsterix, mon corps. Corps. Flèche dans le fion. J'arrive pas à le lancer. Un clicker quoi, la plupart du temps tu fous rien mais il faut setup 30 trucs au début. Ah bah voilà. He's dead. Niveau 32 atteint. On aurait pu l'utiliser sa corne. Coup de chance. Oh non. Ouais, je crois que niveau défense frappe tempête, on est plutôt bien avec 6. Peut-être qu'on va en looter une deuxième, une septième sur lui. Oh, on en loot 2 sur lui, nice. Lost quoi? Lost quoi? Hein? Comment ça va, Rapso? La forme depuis hier. Site de cracheur boursouflé. Ah, j'ai besoin du tissu. On irait pas faire un petit tour là-bas. Il est quelle heure là? Il est 41. Peut-être qu'on va aller chercher des métères direct. Ou alors on n'aura pas le temps et puis on se focus sur... Bon, on va aller voir ça. Bien, mais il faut que je me trouve un nouveau jeu. J'ai fait 12 minutes plié en 2 jours. Sérieux?
Elle joue à Poké Clicker. Le jeu est sympa, mais trop court pour le prix, ouais. Du coup, tu l'as platiné? Ou tu le gardes pour l'année prochaine? La pression de mettre facecam. Si je bouge, j'aurai moins froid. J'ai tout le temps cette pression quand j'achète un jeu de merde. Le dernier en date, c'était Beowulf là. Putain, tu payes 40 balles pour un jeu médiocre. Qui m'avait trop hypé. Voilà, il pas les vitres descendues. Attends. Je vais regarder s'il faut que je fasse un truc particulier. La bleuette, on s'en fiche. Ressources de quête, pactage. Voilà, c'est le pactage qu'il me faut. Le feu ne m'aidera pas cette fois. 12 minutes, c'est le jeu où t'es coincé dans une boucle temporelle. Est-ce que j'ai réussi mon coup? Est-ce que j'ai réussi mon coup? Ça n'a pas l'air. J'ai pas réussi à choper le conteneur. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Je sais pas où il est en vrai le conteneur sur ces machines là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Un pigeon? C'est un pigeon. Il va faire galop. Voilà. Un petit piou-piou, un shoot 444. Y'en a plus un autre de crasher? Qu'est-ce que c'est? Procès d'idiot d'army. Y'a pas un truc à récupérer? Y'a que dalle! C'est de l'arnaque! Total! C'est une totale arnaque! Ouais, c'est une totale arnaque! Bah, on redescend dans la vallée. Hein. Oh, y'a un autre mammouth! Il a repop! Oh putain! Let's go. Salut jumeau. Comment ça va? Alors est-ce que j'ai besoin des trucs cette fois sur lui? Les cornes, on est bon. Canon électrique. Je vais choper le canon électrique. Ouais, c'est parti. Je le déglingue comme ça. J'ai pas réussi à esquiver ces patarias. Alors ferme-moi voir ce que ça fait ça. Oh! Oh c'est pas mal en vrai. Ça fait une petite boule de projection. Thank you.
Tiens, mange ça. Il est où le deuxième? Il est où le deuxième canon? Oh, bah il est mort. Oh voilà, ça c'est fait. Ça va et toi, bon anniversaire en retard. Merci jumeau. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh, j'ai looté du beau truc là. Le pic perforant, j'en ai 68. Les défenses, je commence à en avoir 12. Ça le fait, ça le fait. Je sais pas si on pourra... On pourra percer la glace ici, mais ça a l'air en tout cas. Le rocher est montable. Bizarre, cet après-midi je vais commencer Just Shapes and Beats. Je vois pas du tout ce que c'est. C'est quoi comme jeu ça? Qu'est-ce que j'ai looté? Un os de mouflon. J'en ai 6. Ah, c'est dommage, hein. Site de cracheur boursouflé, là. Un jeu de rythme. Ah, d'accord. Un peu à la Taiko no Tatsujin. Taiko no Tatsujin. Non, c'est plus de l'esquive musicale. Ah, d'accord. Ça ressemble un peu plus à Sayonara. J'essaierai de passer, faire un petit coucou. Je pensais pas qu'il allait avoir du monde le bâtard. Bah, je suis crevé moi. Pourquoi j'ai lancé un stream matinal? Ça fait des années que j'en ai pas fait. Mais je suis fou. Est-ce que ma monture est de nouveau disponible? Non. Ça y est, elle est morte, elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Tant pis. Bonjour messieurs. Je vais faire un petit tour dans la réserve. Hop, réapprovisionnement. Je lance à ta place si tu veux. J'avoue, je sais pas comment tu fais, ouais. Ouais, il fallait que j'avance sur Horizon. Fallait que je lance sur Horizon. Faut que j'avance, bordel. C'est pas comme ça que les platines vont se faire. Là, j'ai une petite quête. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ikota. Moi, c'est Ikota. Aloy, c'est ça? J'ai entendu dire que tu avais chassé Regala du Kurout. Kurout? J'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider et aider le village. GG les level up. Dans la forêt, 32 pour jumeaux et 44 pour Kuro. Des réserves de grimpeurs. Mais des machines tueuses sont arrivées. Des galogriffes déjà. Des galogriffes. Bon, ça j'en fais mon affaire. Avant, ça j'en fais mon affaire. Au maréchal Chekata de m'aider à éliminer le danger. Mais il a été tué à Gagnard. Je suis tout seul. Je n'ai pas assez de soldats aguerris pour m'aider.
te dit une partie de chasse? Je ne dis pas non. Étrange. Chekata disait exactement la même chose, avec le même ton. C'est bon signe, j'imagine. Retrouve-moi en bordure de la forêt à l'ouest. On chassera ensemble. J'apprécierai la compagnie. Et voilà la chasse. Tu veux chercher du pigeon? Une chasse mémorable. Moi, je veux juste passer en vrai. Moi, je veux juste passer. Ah, il y a un site de coureuse. On va peut-être pouvoir choper une monture. Ah, j'aimerais bien un fuisseur quand même. Banzai! Ah, les fuisseuses, ils sont en bas là. Quelque chose envoie un signal par ici. Quelque chose envoie un signal. J'ai entendu un grand coup. Il est près d'ici. Il est où le grain à coup, l'eau? Oh oh. C'est quoi, c'est des singes? On dirait des singes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des grimpeurs. Ah bah ouais, c'est des singes. C'est donc ça, les grimpeurs. Détachables, conteneurs de ressources. Poche de commotion. Retrait de capacité, reste intact après la mort. Contient des ressources si intactes. Ah bah il est là le grand coup. Il a l'air abandonné. Mais il pourrait me permettre de grimper sur ce grand coup si j'arrive à atteindre le sommet. Ah, d'abord on va s'occuper des singes. Mes pattes sont trop difficiles à escalader. Je dois trouver un autre moyen. C'est vraiment triste devant. Bon bah c'est parti hein. On va tenter d'escalader tout ça. Ah donc du coup tu fais que les affinités Kuro sur le Stark. Un village de Ténac de la plaine. Il a l'air abandonné. Mais il pourrait me permettre de grimper sur ce grand coup si ouais. J'arrive à atteindre le sommet. Qu'est-ce que c'est ça? Une fusée de détresse? Sérieux, ils ont mis des fusées de détresse? S'il y a moyen de les attirer comme ça. Ils m'ont vu? Je devrais pouvoir monter là-haut. Oh! Putain! Comment ça s'appelle ça? Tracker. Générateur de furtivité de tracker.
Voilà. Oh, je m'en prends plein la gueule. Ah, merde. Putain de bombe de ces morts. Le plus long, c'est le lancement du jeu, du coup. Ça m'étonne. Mon attracteur devrait me permettre d'accéder à ce passage. Tu m'étonnes. Par contre, j'ai toujours pas les grimpeurs là. Ça me fait un peu flipper. J'avais pas vu toi. Tiens, plus de générateur. Allez hop. Ça a l'air court maintenant. Comment ça, il peut encore se mettre... Je crois que c'est son lance-mine que j'avais pété, pas son générateur. J'avais une question concernant les... les affinités. C'est limité à 5... à 5 émotes et à 5 champs dans ton personnage. Et si t'en as un deuxième, est-ce que t'en as de nouveau 5 sur chaque perso? Et par compte et par perso. Donc tu peux faire que 5 et 5 quoi. Et les gens qui ont plusieurs persos sur plusieurs serveurs, ils sont baisés. J'ai toujours pas créé mon premier rôle. Ça sert à rien d'avoir des persos sur un autre serveur, non? Ça t'avance peut-être plus vite dans les hauts faits, non? Allez, replou inverse. Oh, un petit coup de tonnerre. Je vais pas devoir arrêter le stream quand même. C'est deux avancées différentes du coup. Ah donc du coup t'es bloqué à 5 et à 5. Si t'as une aura cristalline, tu fais 6 et 6 quoi. Comme si tu faisais un reset. Ah ok. Non, c'est dommage. C'est dommage. Je devrais pouvoir planer jusqu'à ces arbres pour accéder à la plateforme. Jamais j'arrive jusque là-bas. Hein. T'es dingue ou quoi? Ok, un truc pour monter. Est-ce qu'on le tenterait?
Il y a un site de fuisseurs là-bas. Des fuisseurs acides. Peut-être me choper une petite monture. Bah, tu sais quoi, on va essayer. Banzai! Et voilà. Quelque chose me dit qu'on ne devait pas atterrir là. Ah, quoique, ça passe quand même. Ça passe quand même, effectivement. Comment on fait pour l'attracteur déjà? Voilà. Oh, une caisse. Oh merde, elle a volé. Donc le maxi que tu peux faire, c'est 6 et 6. J'ai encore des auras cristallines dans mon inventaire, je sais pas si ça vaudrait le coup. Les utiliser maintenant. Ça doit être assez haut pour sauter sur ce grand coup. Ça doit être assez haut pour sauter sur le grand coup. Ici là? Pas vraiment. Ça passe. La caisse qui part sur Pluton, ouais, carrément. Elle a fait un joli vol d'ailier. J'ai un doute que ça passe par ici. Hein. J'ai un petit doute quand même. Oh, un petit éclair. Oh, ça grogne. Grogne. Et flip. Ah, ça va, le tonnerre il est loin là. Bon, on le chope. Je le chope, hein. Banzai! Voilà. On dirait qu'il manque des pièces en ce grand coup. Je peux pas grimper jusqu'en haut. Je peux pas grimper jusqu'en haut. Une plateforme assez haute pour atteindre directement sa tête. Oh putain. Les bâtards. Pour atteindre directement sa tête. Je dois bien pouvoir trouver un point plus élevé. On va check ça. Alors là, c'est bien, non? Salut toi. Oh, j'ai cru voir un attache. Ah non! Oh non! Je suis allé trop tard. Oh fuck it. Fuck! Heureusement que j'ai débloqué l'échelle. Ah, je le touche même pas de là. Arc de précision.
sais pas ce qui a pété là, mais... Ouais, le point de départ, c'est bien le point de départ. Est-ce que je peux monter sur ça? Tac, 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 et aller jusque là-bas. On va tester. Sauf que si je vais là, ça va être trop tard. On va le tarder d'ici. Ensuite, on monte, on monte, on monte. Jusque là-bas. On va tenter ça. Tac tac tac, on saute, on saute, on saute. Merci pour la balade, mon grand. Je peux trouver un endroit plus agréable. Petit raccourci. Dépêche-toi, il est passé. Faut alors attendre encore un tour. Ah, je pense que c'est cette plateforme-là en vrai. Je dois faire attention. Oh putain, ils ont pris exemple sur Crash ou quoi? Je dois bien pouvoir trouver un moyen de grimper encore plus haut. Focus va peut-être me montrer quelque chose. Ah bah ça loot bien les trucs comme ça. Bon, faut que j'arrive sur cette plateforme là-haut. Y'a rien pour escalader. Peut-être la plateforme là. Qu'est-ce que c'est ça? Cette corde mène à une autre plateforme. Je devrais peut-être aller voir. On y est presque, on y est presque. On sent le bout là. On sent le bout. Une échelle. Ok. Est-ce que c'est... Ouais, c'est pas assez haut encore. Ce serait pas assez haut.
Ouais, c'est pas assez haut. Aller là-haut. J'ai pas l'impression d'être plus haut sur cette plateforme là-bas, quoi, en fait. Non, pas du tout. Ça passera jamais. Ça passera jamais. Bon, d'ici, je devrais pouvoir trouver un endroit d'où sauter sur ce grand coup. D'ici, tu crois? Grimper jusqu'en haut du village abandonné. Bon, apparemment, c'est ici. Apparemment, c'est ici. Je vois pas par où, mais bon. Il pleut enfin dans cette ville de mort. Nique-toi le pollen. La pluie, ça anéantit le pollen? Je savais pas ça. Ah, nous, il fait un petit peu d'orage, là. Il fait un petit peu d'orage. Il pleut un peu. Ah, le v'là le grand coup. Le grand couille. On va se recharger. Vivement la neige. Vivement la neige, l'eau. Ça n'a vraiment aucun maudit bon sens, l'eau. C'est le calice. Oh, c'est... T'es calice. Ah, peut-être que si je monte sur la première, deuxième, ça peut peut-être passer, non? Banzai! Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Je serre les fesses. Et ça passe. Voilà. Bim bam boum. Voilà, fais dodo. Siège des sentinelles. Non, je vais me mettre là-bas. Après, on va aller se faire le feu là-bas. On va aller voir. Par contre, il est 11h17. Je sais pas s'il faudra aller chercher les enfants ou pas à l'école. Les petits Pada Junior. Et hop, banzai.
Ah, j'ai pété aucun. Ah si, j'en ai pété 3. Bon. Ah mais non, mais elle les a tués. Ah mais non. Oh mais non. C'était pas... C'était pas ça que je voulais que tu tues. Connasse, va. Putain, ma monture. Mais merde. Oh. Quelle boulette. Mais quelle boulette. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur du joueur français, là. Hey, salut, Pilo. Hey, hey, hey. Comment ça va? Les coordonnées fournies par Gaïa pour Déméter sont proches. Ça va tranquillou? Tranquillou pilou? Par contre, on n'est pas dans le bon truc là. Bon, on l'aura fait à pied quand même. Hein. On l'aura fait à pied quand même. T'as commencé une feuille moussière. Ah, ça fait plaisir ou pas? Est-ce que ça fait plaisir ou pas? Ça fait plaise, ouais. T'as commencé par le premier? Il y a des lumières dans ces ruines. Oh. Cessez vos tirs! Je ne viens pas me battre! La barbare est piégée! Allez-y! Oh, mais c'est qui tire bien? Je sais pas qui sont ces gens, mais ils ont pas l'air très amicaux. Le premier, bien sûr, sur PS3. Nice, nice, nice! De leur échapper. Et rejoindre les ruines. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un en moins. Deux en moins. Je suis pas sûr qu'ils savent bien tirer en fait. Qu'ils sachent bien tirer. C'est de la quête principale ça, on nous ment. C'est de la quête principale, ouais. Mais je sais pas si je vais devoir arrêter dans 10 minutes ou pas. Donc je vais juste avancer un peu. Aïe. Ouais, ça s'est tiré en fait. Tam 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 tam. Qui sont ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils me veulent du mal? Oui, je vais passer un petit coup de fil. Déméter, au cas où il y en aurait d'autres. Elle devrait être dans ces ruines. Je vais voir si elle est en bas tout simplement. J'arrive.
Bon, bah, je vais pas chercher les enfants à l'école. Je les laisse là-bas. La maîtresse, elle se démerde. Ah, ras le bol. Non mais oh, faites pour qui ces petits gnomes là? Ils payent même pas le loyer. Sans déconner. Comment ça on va pas voir la maîtresse? Tu vas aller voir la maîtresse là? Pour ton petit bisou. La maîtresse, elle a peur, quoi, en ce moment. Je crois qu'elle a besoin d'un petit... un petit coup de bambou. Ça lui ferait pas trop de mal, je crois. Ça lui ferait pas trop de mal. Vivement les vacances. Si on peut aider, hein. Ouais, si on peut aider, si on peut rendre service, écoute, si on peut joindre l'utile à l'agréable, y a pas de problème, on peut compter sur moi. Je veux bien me porter volontaire. Non mais c'est quoi ça? C'est une tempête maintenant qui arrive. Une tempête. La piscine, elle va être remplie à ras-bord. Peggy 18, ouais, il n'est pas encore 23h. Il n'y a plus un chien ici en vrai. Il n'y a plus un chien. Ils sont tous butés. Oh, ça y est, des lingots d'or. On commence à voir des trucs sympas là. Oh. Et déjà quelque part, ouais, il doit être 23h quelque part, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à 10h de décalage? C'est pas le Japon, il a quoi? Il a 8h? 8h de décalage? Qu'est-ce qu'il y a à 10h de décalage? Un truc encore plus loin, Hawaï? Oh, je peux peut-être le péter ça, non? Nope. Je peux pas le tirer ça. Ah, papette. Ah, papette, il est 23h là, papette. Alors, heure locale. Papette. Et 23h28, bah pile poil bien. C'est bon. En Polynésie, on peut y aller. En Polynésie, on peut y aller. Nickel. Rejoindre les coordonnées Demeter. Ah, c'est juste pour passer en vrai. Y'a rien à foutre dans ce baraquement. On m'a trompé. J'y vais, je reviendrai. Je vais me mettre un petit collier et puis et puis je reviens Fissa pour l'heure de l'apéro. Merde, merde, merde. Je vais passer par ici, ouais. Ouais, ouais, je suis déjà passé par ici. C'est juste 24 pour y aller, c'est pas grand chose. Ouais, 24 heures, c'est quoi? Un jour. Tu dors? Passe biotech. Sorte d'ancien bureau. Ah. La serre. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il est 11h30, les enfants vont bientôt arriver. Je vais me TP.
Je sais pas où je peux me TP, mais... Là, il y a un petit truc sympa. Je pense qu'on va se TP au camp, là. Hop. Puis on va s'arrêter là. Faut y aller après 23h et dans le sens horaire pour que ça soit 23h tout le temps, ouais. Faire la même chose, mais à l'heure de l'apéro. Ouais. Après, tu comptes plus les heures à l'apéro. Après, tu comptes plus les heures. Il est 23h et pas 23h, bordel de merde. Toujours l'heure de l'apéro. D'ailleurs, en parlant de ça... Je vais aller rejoindre Bébert. Je vous fais des bisous. Cet après-midi, je sais pas si j'aurai le temps de jouer. Ce soir, on va aller voir Déméter. Si j'ai le temps. Donc voilà. Je vous souhaite... Un bon appétit. Ouah, c'est dur les streams matinales même. Peut-être qu'on va reprendre les lives matinales s'il y a un peu plus de monde comme ça. Ça serait cool en vrai. Ça serait cool. J'ai eu plus de monde que à certains moments, semaine dernière de soirée. Donc je sais pas. Je vais lancer LOL. Moi je vais lancer Lost Ark. La mage elle doit être terminée là. Tant que les enfants ils arrivent. Hop là. Je vous fais des bisous. Ah, je vais mettre ma manette à charger aussi. En mode repos. Pour ce soir. Non, je vais éteindre. Direct. Hop. Des bisous tout le monde. À ce soir. Ciao ciao. Et bon appétit. Bon appetito. Bon appétit. Oh, la bombe a été désamorcée par Absol. En 4 secondes, le cut vert qui passe. Incroyable. A tout de suite, Kuro, sur Lost Ark. Ça a pris tes morts, monsieur Mime.